Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne La Sentinelle de prière. Quelle joie de pouvoir vous retrouver. Ce soir, nous vous proposons de prendre un temps de louange avec l'équipe qui va nous introduire dans ces moments, des temps où nous sommes invités à répandre notre cœur devant le Seigneur, notre cœur devant le Roi des Rois, lui dire combien nous l'aimons. Nous prendrons ensuite un moment de prière ensemble, un moment où nous allons prier et intercéder pour différents sujets qui vous seront proposés. Je vous laisse donc en compagnie de l'équipe de louanges qui va nous introduire dans ces temps. Profitez de ces moments pour chercher le cœur de Dieu, pour le laisser venir vous toucher, vous visiter et vous renouveler. Et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour frères et sœurs, heureux de vous retrouver. Ensemble, adorons et louons notre Maître. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche. Ton amour pour moi, Jésus, tu es le roi, et j'avance à ta suite. Bénis, bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'écroule, quand tout s'écroule, sombre, je sais que tu es là et que m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche. Ton amour pour moi, Jésus, tu es le roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon âme, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme.
créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Un même cœur pour le Seigneur, le créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur, car je veux que ma joie demeure. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternellement. Seigneur, à quel autre irons-nous que ma vie pour
ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci à l'équipe pour ces temps de louanges que vous nous avez proposé, que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Ensemble, nous sommes plus forts. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Le livre de l'Ecclésiaste dit notamment ceci, que si l'un tombe, l'autre le relève. Et je crois qu'il est important que nous puissions garder dans notre cœur et dans notre esprit cette unité du corps de Christ, cette unité également dans la prière, même si nous sommes sûrement dans des villes différentes, même si nous sommes éloignés, distanciés avec cet écran, néanmoins nous sommes unis de cœur, unis par l'Esprit de Dieu. Et ensemble, nous allons intercéder pour différents sujets de prière qui vont vous être affichés à l'écran. Mais ensemble, je voudrais vraiment vous inviter à intercéder pour peut-être des sujets qui sont les vôtres, des sujets que vous avez à cœur, des personnes que vous connaissez, qui sont malades, qui sont peut-être en difficulté, que vous puissiez simplement les apporter auprès du trône du Seigneur. Prenons quelques instants ensemble pour demander au Seigneur toute sa grâce et toute sa puissance sur ces différents sujets de prière. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu manifestes ta gloire, ta grâce, ta sainteté, ta majesté. Seigneur, notre Dieu, nous prenons ce temps ensemble pour intercéder, pour prier. Te demandons, Seigneur, d'intervenir pour l'Église persécutée. Te demandons, Seigneur, là aussi d'intervenir, Seigneur mon Dieu, pour nos frères et sœurs qui, pour la cause de ton nom, qui pour leur foi sont parfois emprisonnés, sont parfois malmenés physiquement, émotionnellement. Seigneur, nous te demandons de les soutenir, nous te demandons de les fortifier, nous te demandons de les encourager. Seigneur, merci, merci que ta grâce puisse les entourer, que ta grâce puisse les environner, que ta grâce puisse les saisir. Seigneur, nous te prions pour chacune de ces églises, souvent souterraines, mais Seigneur mon Dieu, soutiens-les. Soutiens-les dans leur force, soutiens-les dans leur cœur, soutiens-les dans leur zèle. Que par amour pour toi, Seigneur mon Dieu, ils puissent persévérer jusqu'au bout. Oh Seigneur mon Dieu, nous te demandons d'étendre ta main encore dans ces moments et dans ces instants. Nous remettons, Seigneur, toutes ces œuvres missionnaires, Seigneur Jésus, dans les différents pays. Seigneur, nous te prions de soutenir tes serviteurs, tes servantes qui, sur le terrain, Seigneur, font un travail remarquable. Nous te demandons également de les accompagner, nous te demandons de les renouveler, nous te demandons de les fortifier, de les protéger. Merci, merci de bénir encore, Seigneur, tout, Seigneur, tes enfants qui travaillent, qui œuvrent sur ces terrains où l'Évangile a besoin d'être annoncé. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous prenons ensemble. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, parce que tu veux encore parler à nos cœurs. Tu veux encore te révéler par ton esprit. Tu veux encore toucher nos âmes, vraiment déposer dans notre cœur ce que toi, tu veux nous dire. Oh, merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Je vous invite vraiment à prier là où vous êtes à la maison. Commencez à réclamer à Dieu toute sa grâce et toute sa bienveillance sur les différents sujets de prière qui sont les vôtres. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci d'étendre ta main, Seigneur Jésus, sur tes enfants, sur, Seigneur Jésus, les églises locales, Seigneur mon Dieu, sur ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, les différents ministères. Merci de soutenir et de bénir encore. Alléluia, louange à toi, que ta gloire se manifeste, que ta puissance se manifeste. Oh Jésus, louange à toi, louange à toi. Je te prie, Seigneur, Seigneur Jésus, que tu puisses entendre le cri de tes enfants. Je te prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés dans leur santé, ceux qui ont des difficultés respiratoires. Je te demande d'étendre ta bonne main, Seigneur mon Dieu, sur leur santé. Je te prie pour ceux qui, Seigneur mon Dieu, ont des problèmes dans leur corps. Je te demande de les visiter, de les renouveler. Je te demande de les inonder de ta paix, de ta gloire. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu accomplis. Te prions pour ceux qui sont dans, Seigneur, hospitalisés. Seigneur, te demandons de les relever, de les guérir, de manifester ta gloire. Je te prie pour ceux qui connaissent des temps
de dépression. Relève-les. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu apportes dans leur vie, Seigneur Jésus, tout le soutien, tout le réconfort, toutes les forces dont ils ont besoin. Merci pour aller de l'avant, pour reprendre la marche avec toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit adoré. Nous prions pour ceux qui sont touchés par le cancer. Seigneur, manifeste-toi. Pour ceux qui ont des problèmes de cœur, manifeste-toi. Pour ceux qui ont des problèmes au niveau des reins, manifeste ta grâce encore. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, louange à toi. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, Seigneur. Amen. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour plus doux, mon cœur est enfin libre. Et ma honte disparaît dans ta présence. Et Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur. Cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oui, oh Dieu. Par ta présence, Saint-Esprit, tu es le Seigneur, mon cœur soupire après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, oui, ta présence. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Louange à toi, Seigneur. Viens, viens dans nos cœurs et dans nos vies. Prends toute la place. Viens régner. Viens régner, Seigneur. Prends toute la place. Esprit de Dieu, remplis, remplis le vase que nous sommes. Remplis le vase que je suis. Oui, Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et le règne. Louange à toi. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver après cette introduction avec quelques chants.
Eh bien, comme convenu, nous sommes heureux d'être là pour poursuivre ensemble cette réflexion sur la réconciliation. Depuis quelques dimanches, nous avons l'occasion de pouvoir aborder ce thème et de pouvoir réfléchir ensemble sur quelques étapes indispensables concernant, eh bien, la réconciliation. Dans le couple ou dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie associative, mais également entre amis, également peut-être avec nos voisins, ou peut-être tout simplement, eh bien, comme nous l'avons vu déjà à l'église, lorsqu'il peut y avoir quelques différends de compréhension ou de fonctionnement avec des frères et des sœurs. Alors, nous nous sommes arrêtés sur ce texte, je vais le reprendre avec vous, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 19, où il nous est dit que parce que Dieu avait maintenant avec Christ, eh bien, s'étant chargé des péchés de l'humanité, il a réconcilié le monde avec lui-même. Et l'apôtre Paul continuera aux Corinthiens de dire, eh bien, aujourd'hui, il a déposé, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et c'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole maintenant, dira-t-il. Voilà, nous avons vu plusieurs points déjà. Nous avons intitulé ce message « Les 5 étapes pour se réconcilier » ou en tout cas pour aborder une situation conflictuelle. Et nous nous sommes arrêtés déjà dans cette notion que si nous sommes croyants, eh bien un des premiers points, c'était de pouvoir en parler à Dieu. Il me semble que là, c'est un point indispensable. En lui en parlant, mais également en évacuant notre colère et toutes sortes de ressentiments que cela aurait pu aussi faire naître dans notre vie au travers de ce que nous avons vécu. La deuxième chose que nous avons vue dimanche dernier était d'avouer notre part de responsabilité dans la situation conflictuelle. Nous avons fait la différence entre avoir raison sur le fond, mais peut-être pas forcément être toujours bien net sur la forme, et avoir eu peut-être parfois, eh bien, des formes qui ne correspondaient pas à ce que la Bible peut nous enseigner. Et une fois que nous avons passé ces deux étapes, nous nous sommes arrêtés un instant sur, eh bien, comment provoquer un sommet pour la paix. Développer à un moment donné un temps de réconciliation, un temps de partage, un temps de communion autour d'un café, autour d'un moment où on peut se parler et de pouvoir, eh bien, développer ensemble une attitude de collaboration pour pouvoir régler nos soucis. Nous avons vu ensemble plusieurs points concernant justement les attitudes face à une problématique, face à un conflit. Et donc nous étions arrêtés sur cette cinquième dominante qui était, eh bien, de pouvoir avoir une attitude de collaboration avec l'autre, entre guillemets, pour pouvoir, eh bien, tout simplement trouver une solution à notre différend. On va un petit peu plus loin encore ce soir, et le quatrième point que j'aimerais aborder avec vous est tout simplement, quand on est dans une situation de conflit, de difficulté, eh bien, nous devons apprendre à considérer aussi la perspective de l'autre. Philippiens, le chapitre 2, le verset 4, nous dit ceci, « Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Cela veut dire que quand je traverse une situation conflictuelle, je ne peux pas juste regarder mon point de vue. Je ne peux pas juste regarder ce qui m'intéresse, mes intérêts personnels, mes désirs, mes besoins. Mais je dois aussi regarder et considérer le point de vue de l'autre. Cela est assez difficile parce que ce n'est pas naturel chez nous. Oui, ça exige un changement intentionnel, une attitude de cœur, où je dois justement cesser de me centrer sur mes propres intérêts, sur mes propres désirs, sur mes propres convoitises, et puis considérer aussi ceux de l'autre. Alors, rappelons-nous de ce temps d'introduction que nous avons eu lorsque nous avons commencé cette étude. D'où viennent généralement les conflits?
Et l'apôtre Jacques va nous dire que très souvent, les conflits viennent de ce sentiment d'égoïsme que nous pouvons avoir parce que nous avons envie de pouvoir tout simplement remplir des désirs, des motivations personnelles. Et donc, cette forme d'égoïsme va parfois générer avec d'autres qui n'ont pas forcément cette vision-là, toutes sortes de conflits ou toutes sortes de problèmes. Ces choses traînent dans notre cœur. Elles sont là et à un moment donné, elles finissent tout simplement par ressurgir dans certaines situations. Ce changement de mentalité, frères et sœurs, est nécessaire. Oui, il n'est pas naturel, mais c'est le secret pour résoudre les conflits et au final être heureux les uns avec les autres. Nous respecter, marcher ensemble, vivre véritablement dans cette même vision et cette même façon de considérer aussi la situation. Vous savez, l'un des secrets parfois pour résoudre des conflits, c'est de comprendre d'où viennent les gens, ce qu'ils ont vécu. Parce que nous avons tous une histoire, nous avons tous eu une éducation, nous avons tous eu des réussites, mais également des échecs. Et quand vous commencez à comprendre d'où viennent les gens, quand vous commencez à comprendre quelles circonstances, quelles situations ils ont vécu les uns et les autres, parfois ça nous donne quelques indicateurs pour mieux comprendre leurs réactions d'aujourd'hui. Nous avons, on l'a dit, tous une histoire, nous avons eu des traditions, certains ont eu des cultures et des façons d'être éduqués d'une manière qui n'a pas grand-chose à voir parfois avec ceux qui sont dans notre environnement. Et parfois, cela a généré des souffrances et toutes sortes de blessures. Nous devons essayer de chercher à comprendre avant de chercher à être compris. Et il me semble que là, il y a quelque chose pour nous, afin que nous puissions aller plus loin. Comment apprendre à comprendre quelqu'un ? C'est simple, commencer déjà par l'écouter. Commencer par faire attention à ce qu'il veut partager, ce qu'il dit. Apprenez tout simplement à écouter plutôt que de parler. C'est vrai que très souvent, dans une communication, certains parlent et ont du mal à écouter l'autre. Mais apprenez aussi à écouter. Cela non plus n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous parce qu'on n'a pas été habitué, on n'a pas été éduqué, enseigné aussi à écouter de cette manière-là. Mais cela nous donne des informations parfois tellement importantes sur les autres. Certains sont parfois si impatients de dire ce qu'ils ont à dire ou d'exposer leur point de vue, voire même de se défendre ou de donner des conseils, qu'ils ne s'arrêtent même pas pour écouter ce que l'autre veut exprimer ou tout simplement comment il ou elle pourrait exposer sa vision des choses. Imaginez que vous ayez deux amis qui viennent à la maison. Et ils sont là, ils s'invitent pour le café ou le thé, vous leur servez une boisson, et puis ils commencent tout simplement à parler. Ils viennent pour vous voir, pour partager avec vous, mais tout simplement pendant peut-être, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils ne vont cesser de parler, de raconter des histoires, des témoignages, des choses qu'ils ont vécues, etc., etc. Et au bout de 3-4 heures, ils vont vous regarder en vous disant « Oh, ben il est tard, ça serait bien qu'on y aille maintenant. » Et vous avez remarqué, souvent, ce genre de personnes se lèvent et disent parfois « Ah, vraiment, on a passé un super moment avec toi. » Mais de quel moment tu parles ? Vous avez peut-être passé un super moment agréable parce que depuis 3 heures, il n'y a que vous qui parlez, mais moi, je n'ai pas pu en placer une. À quel moment le moment et l'instant a été agréable pour les deux côtés? Et vous remarquerez parfois que certaines personnes ne sont que dans ce programme-là. Ils parlent, et puis ils ne prennent jamais le temps d'écouter les autres. Je pense que c'est important d'avoir ce partage également. Pourtant, parce que c'est ce que nous faisons très souvent, de pouvoir réagir de cette manière-là, mais de prendre le temps où nous nous arrêtons de parler et que nous commençons à écouter l'autre, cela va pouvoir nous instruire sur peut-être pourquoi il est en souffrance, pourquoi il réagit de telle et de telle manière, pourquoi il a un fonctionnement de telle ou de telle façon, et cela va pouvoir nous donner quelques informations.
Chers amis, si nous voulons aller plus loin dans nos relations les uns avec les autres, nous devons apprendre dans un premier temps à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Vous me saisissez ? Apprendre à comprendre l'autre avant de chercher à être compris. Et pour cela, eh bien, ça prend du temps et c'est le temps de l'écoute. La Bible dit, dans Philippiens au chapitre 2, le verset 4, que chacun de vous, on l'a lu tout à l'heure, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous savez que le mot « regarder » ici, dans le grec, est « skopos » ou « skopeo ». Et il est intéressant de l'étudier parce qu'il est similaire à l'expression « regarder au travers de la lunette d'un fusil », par exemple. Vous savez, ce petit truc-là qu'on met au-dessus d'un fusil afin de voir plus loin et avec beaucoup plus de précision. C'est l'idée de voir comme au travers d'un microscope. Cela signifie, en fait, si on reprend ce texte et ce mot « regarder », en fait, c'est plus que regarder, c'est prêter attention, examiner avec attention, regarder avec précision. Et c'est ce que, quelque part ici, eh bien, l'apôtre Paul nous demande de faire, de regarder avec et d'examiner avec attention, de considérer les intérêts également des autres. Frères et sœurs, nous sommes semblables à Christ quand nous nous demandons quels sont les besoins de l'autre, quels sont les besoins dans mon couple, quels sont les besoins dans ma famille, quels sont les besoins dans l'Église. Et de ne pas tout simplement être constamment des consommateurs, on vient pour prendre. Quels sont les besoins dans l'œuvre dans laquelle je suis aujourd'hui? Et comment pourrais-je satisfaire les besoins de ceux et de celles qui sont autour de moi. Je vous l'ai dit dimanche dernier, nous devons retrouver non pas une église compartimentée avec des départements et sectorisée, même si nous avons besoin encore une fois de responsables et des hommes et des femmes qui sont impliqués sur différents pôles d'activité, bien entendu. Nous devons retrouver une église telle une famille. Une famille qui œuvre ensemble, qui a des spécificités en fonction de l'âge, en fonction des pôles d'intérêt, en fonction de... On est d'accord avec cela. Mais, en premier, l'Église, c'est une famille, c'est la famille de Jésus-Christ. Alors, quand nous sommes fâchés, nous sommes en fait préoccupés plus par nous-mêmes que par les autres. Quand nous faisons la tête, quand nous boudons, quand nous changeons d'église, nous sommes plus finalement préoccupés par notre bien-être que par le bien-être ou l'intérêt de l'église même où je me trouve aujourd'hui. Mais quand nous sommes à l'image de Jésus-Christ, alors nous regardons aux intérêts de l'autre, nous regardons aux intérêts dans notre couple, de notre conjoint, nous regardons aux intérêts de celui et celle qui est autour de nous, avec qui peut-être il y a un différent. Nous regardons aux intérêts de l'Église en général et non plus simplement de nos propres intérêts. Vous savez, une des déclarations de paix les plus puissantes que je connaisse est simplement quand vous dites, par exemple, à une personne « Je suis vraiment désolé ». Parce que dans cette situation, j'ai vraiment eu tort. J'ai réalisé qu'en réagissant comme je l'ai fait, eh bien en fait, je pensais essentiellement à moi et pas au reste. Quand vous déclarez avec sincérité, avec vérité, dans une circonstance, une telle parole, j'aimerais vous dire que là, la vérité va tout simplement couper l'herbe sous les pieds du diable et l'ennemi est vaincu. Amen. J'aimerais vous donner encore un dernier conseil sur ce thème avant de finir. C'est tout simplement la compréhension que nous devons avoir de la réconciliation. Oui, parce que parfois on se trompe un petit peu de compréhension sur la définition de ce mot. Et j'aimerais vous inviter tout simplement à vous concentrer justement sur la réconciliation et non sur la résolution de tous vos problèmes. Comprenez ceci. Il y a une différence entre se réconcilier et résoudre tous nos différends. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, plusieurs ont du mal à avancer dans des situations conflictuelles. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que la réconciliation signifie le rétablissement de la relation.
le rétablissement de la relation. La résolution, c'est autre chose. La résolution signifie résoudre chaque question, chaque conflit, en se mettant d'accord sur tout. La vérité est que nous avons, vous et moi, très peu de chances d'arriver à être d'accord sur tout. Nous avons tous des différences. Nous avons tous une façon de voir les choses de manière différente, à cause de ce que j'ai évoqué déjà tout à l'heure. Dans chaque église, dans chaque couple, dans chaque relation professionnelle ou amicale, voire même sociale, eh bien, il y a toujours des choses sur lesquelles vous ne serez jamais en accord. Et cela est juste normal. Bien sûr, je ne suis pas en train de parler du fait de savoir si vous êtes d'accord sur la notion d'aimer le Seigneur. Bien entendu qu'on aime le Seigneur. Je ne parle pas non plus des choses qui sont contre les principes bibliques, des choses qui sont antidoctrinales. C'est pas de ça dont je parle. Je ne parle pas non plus de choses qui peuvent avoir des conséquences graves sur votre couple, sur votre famille, sur vos enfants, sur votre vie personnelle ou sur vos relations. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Nous avons vu la dernière fois la différence entre les choses fondamentales et celles qui relèvent des opinions personnelles. Et c'est de cela dont je suis en train de vouloir aborder la question. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord sur toutes les questions de société, sur ce que l'on mange, sur ce que l'on regarde, etc. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez jamais être d'accord, simplement parce que Dieu nous a conçus différemment. Nous ne percevons pas les choses de la même manière. Par exemple, avec ma femme, on n'est jamais d'accord sur la température que nous devrions avoir dans la maison. Pourquoi ? Parce que elle a toujours froid et moi, j'ai toujours chaud. Et c'est compliqué parfois, n'est-ce pas ? Alors quand j'arrive, j'ouvre et je fais des courants d'air, et elle, quand elle arrive, elle ferme tout parce qu'autrement, elle va s'enrhumer. Vous comprenez ? Et c'est pas parce que on a envie de s'aimer, d'être ensemble et d'être en accord qu'on va arriver à trouver une solution à ce niveau-là. Non, on va essayer de trouver justement un compromis équilibré. Et là, c'est différent avec la compromission dont on parlait la semaine dernière ou dimanche dernier. Un compromis, c'est justement cette notion saine et équilibrée qui fait que on va partager la situation pour être d'accord ensemble. Oui, il y a toutes sortes de choses. Elle aime par exemple les films policiers avec des enquêtes. Moi, je préfère des films où on réfléchit pas beaucoup, des films de science-fiction. D'ailleurs, j'aime pas regarder des films policiers. Même quand je regarde des films avec de ma préférence, elle trouve toujours la solution avant moi. C'est agaçant à force. Mais vous comprenez, on est différents, on n'est pas d'accord, mais on va trouver des compromis. Alors parfois je vais regarder certains films avec elle, même si ils ne m'intéressent pas trop, mais c'est juste pour être ensemble. Et elle, parfois, elle va faire l'effort également de regarder des films avec moi pour qu'on soit juste ensemble. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, frères et sœurs. Nous avons le droit, même dans le couple, de ne pas être d'accord sur tous les sujets. Sur tout ce que nous croyons, sur tout ce que nous pensons. Là encore, je ne parle pas de pensée, de vérité fondamentale, par exemple, concernant l'écriture. Je ne suis pas en train de vous parler de ça, mais je parle de certains détails de vie. Et je pense que c'est important, voyez, que nous puissions considérer que nous sommes différents les uns et les autres. Et puis, vous savez, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord que nous devons être désagréables. Nous pouvons être pas forcément d'accord sur certains sujets, mais être courtois et agréable. La Bible appelle ça de la sagesse, de l'intelligence spirituelle. Regardez avec moi dans Jacques, le chapitre 3, le verset 17. La Bible dit « La sagesse, elle est pacifique, elle est courtoise, elle est modérée, elle est conciliante. Elle permet la discussion. » Elle laisse la priorité à l'autre. Vous voyez, la Bible dit ici qu'il est sage d'accepter un compromis dans ce cas-là. Nous pouvons très bien vivre l'unité sans uniformité. Nous pouvons marcher main dans la main sans voir les mêmes choses, sans considérer les mêmes choses. Nous pouvons vivre la réconciliation sans la résolution totale de chaque différence que nous pouvons avoir dans notre vie personnelle, et même dans l'Église. Alors, frères et sœurs, je sais que certains d'entre vous, vous êtes
vous êtes usé par les conflits. Dans votre vie perso, dans votre vie professionnelle peut-être, dans votre vie de famille. En plus, il y a des conflits parfois à l'église. Et peut-être que vous en avez assez, vous avez tout simplement envie de jeter l'éponge. Vous séparez pas maintenant. Ne mettez pas une distance maintenant. Ne faites pas en sorte d'aller voir autre chose. Ne faites pas encore cela. Il est plus utile de résoudre un conflit que de dissoudre un lien. Comprenez ceci. Il est plus utile de résoudre un conflit que de dissoudre un lien. Alors programmez un sommet pour la paix et concentrez-vous non sur la résolution de tous les problèmes, mais sur la réconciliation. Amen. Voyez, je crois que tout simplement, si nous mettons ces choses en pratique, nous allons vivre des choses étonnantes. Nous allons vivre des choses que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. L'Église en sera bénie parce que notre vie sera bénie, parce que notre foyer, notre famille sera bénie. Je termine simplement en concluant et en vous disant, voyez, la Bible nous dit que les conflits sont très souvent causés par une forme d'égoïsme qu'il y a au plus profond de notre cœur. Alors je reprends simplement ces 5 points que nous avons vus depuis 15 jours. Adressons-nous à Dieu. 1. Pour obtenir de l'aide. 2. Avouons notre part de responsabilité dans les situations conflictuelles que nous traversons. Faisons la différence entre le fond et la forme. 3. Lorsque vous vous sentez prêt, organisez un sommet pour la paix, une rencontre, un temps de partage. Il y aurait tellement de choses à dire encore sur ce point-là. 4. Eh bien, considérons les intérêts et les perspectives de l'autre, de la manière dont il considère et qu'il voit, lui, les choses. Et 5, concentrons-nous sur la réconciliation et non sur la résolution de tous les problèmes. Laissez-moi juste terminer ce survol de ce thème avec simplement 2 suggestions à vous apporter. Je sais que certains d'entre vous auront peut-être besoin d'obtenir de l'aide extérieure dans certaines situations. Beaucoup de relations sont malheureuses aujourd'hui à cause de toutes sortes de problématiques. Et certains vont année après année avec les mêmes vieux problèmes irrésolus, tout simplement parce qu'ils sont juste trop fiers pour aller voir quelqu'un, pour aller rencontrer une personne et discuter avec cette personne de leurs problèmes ou de leurs difficultés. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est n'allez pas voir n'importe qui si vous décidez d'aller voir quelqu'un pour pouvoir en parler. Recherchez un pasteur de confiance, un conseiller en relation d'aide, qui est peut-être attaché, bien entendu, à Dieu, parce qu'il a des bases solides dans le domaine aussi de la foi et de la pratique de la parole de Dieu. Recherchez quelqu'un qui va garder la confidentialité et qui ne va pas vous dire ce qu'il faut faire, mais qui va vous écouter et vous aider et vous orienter. La deuxième chose que je pourrais vous dire, c'est que obtenez l'aide de Dieu également. Cherchez le secours de l'Éternel, cherchez le secours du Seigneur dans toutes ces circonstances. Parce que la volonté de Dieu, c'est sûr. Elle veut nous accompagner dans ces démarches-là. Il y a plusieurs situations où vous ne pourrez pas y arriver tout seul. Vous aurez tout simplement besoin du pouvoir de Christ pour mettre en œuvre les démarches de la réconciliation. Et beaucoup de conflits, vous savez, seraient résolus avant le lendemain matin si chacun mettait humblement ses genoux à terre devant le Seigneur et disait par exemple cette prière « Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous te demandons humblement pardon. Que nos relations puissent refonctionner. » Je crois que l'Église irait mieux si nous avions humblement le courage de prier, en nous humiliant devant le Seigneur et de lui dire tout simplement « Jésus, je te soumets mon égoïsme, je te soumets mes colères, je te soumets mes blessures. » Je crois que l'Église irait mieux si nous nous approchions de notre Seigneur et que nous lui disions « Fais ce que toi seul es capable de faire dans ma vie,
afin que dans l'église, par exemple, dans mon couple, dans mon foyer, avec mes enfants, avec mes voisins, dans ma vie professionnelle, nous puissions retrouver de bonnes relations et nous réconcilier. Frères et sœurs, chers amis, avec ces différents conseils, voyons ensemble ce que nous pouvons faire pour l'édification du corps de Christ, pour la bénédiction de Dieu sur nos vies et sur le fait que l'Église a le désir de pouvoir marcher dans les plans du Seigneur pour aller plus loin. Que le Seigneur nous aide, nous interpelle et nous amène dans cette compréhension de ce qu'il faut accomplir pour lui dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Emmanuel pour ce temps de partage de la parole de Dieu. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Que Dieu te bénisse richement et abondamment. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 9h45 sur cette même chaîne pour assister en direct à notre culte qui débutera dès 10h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à chacun d'entre vous.